Les Arcs, 15 août 1944. Le massacre des 13 Lorguais. Aujourd'hui, je vais me lancer dans un exercice périlleux, car l'histoire que je vais vous raconter ici fait écho à beaucoup d'autres et concerne une époque récente et un sujet assez sensible. La résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de choses ont été dites, bien dites, et ont permis de faire honneur à toutes celles et ceux qui se sont battus pour nos libertés. L'idée n'est pas de raconter la grande histoire du maquis varois, mais je voulais m'attarder sur une histoire qui a marqué l'orgue et notre territoire. Celle du massacre des 13 résistants lorguais le 15 août 1944 aux Arcs-sur-Argence. Souvenons-nous, le 14 août 1944, 9000 parachutistes de la 2e brigade indépendante parachutiste britannique et de plusieurs régiments aéroportés américains sont largués par plus de 400 avions et planeurs américains au-dessus de la Motte. Ils étaient acheminés depuis l'Italie. L'objectif était de s'emparer du Muy et des hauteurs de Grimaud afin d'empêcher l'afflux de renforts ennemis depuis l'ouest. L'ensemble de la résistance locale est bien entendu au fait de ce débarquement et partout en Dracénie va y participer de manière active. À l'orgue, c'est l'effervescence. Le réseau local se prépare et tous souhaitent participer à la libération de leur commune et plus largement de la Provence. La cellule lorguaise est très active depuis des années. Elle est regroupée autour du boulanger Monsieur Pieplu, dont le four servait de cache d'armes, et qui recrutait parmi le club de foot local. Pendant des années, elle était chargée du transport d'armes, de matériel et de soldats essentiellement. Puis, le 13 août, ce message radio arrive à la boulangerie lorguaise. Londres, ici Londres, Nancy a le torticolis. Le torticolis pour annoncer le débarquement de Provence. Quelle idée! Le débarquement de Provence va donc avoir lieu. On se regroupe, on distribue les armes, on récupère et on cache même des parachutistes américains du 517e tombés par erreur sur l'orgue. Le groupe se scinde en deux, une partie reste se battre sur l'orgue, et une autre doit se rendre au Nouradon, entre Tarado et les Arcs pour ceux qui connaissent pas, non loin de la prison actuelle, à la cache d'armes récupérer leur stock d'armes nécessaires à la défense de la ville. C'est sur ce groupe de résistants que l'on va s'attarder. On réquisitionne deux véhicules, dont la berliette gaz au bois de Monsieur Clément, distillerie Clément, et la Citroën de Monsieur Hérault, le directeur de l'école. Le convoi part en direction des Nouradons. Problème, le pont de la Floreille de la route principale de Draguignan a sauté il y a peu, dynamité par une autre cellule résistante pour couper la retraite allemande. Le convoi, près de 20 hommes, décide donc de passer par le chemin sinueux des Pailles, puis suivre les pistes jusqu'à la cache d'armes. Au passage, il récupère également Paul Marquis et le résistant dracénois Roger Friani. Une fois les armes récupérées sous les clapiers de pierre, et sachant que le retour à l'orgue est difficile toujours à cause de ce satané pont dynamité, ils prennent la décision de passer par les Arcs, à 6 km au sud, et remonter par la route de Tarado au bas de la ville. Ils arrivent aux Arcs. La place du village est calme. Trop
calme. Pourtant, quelques habitants, les accostent, n'y allaient pas. C'est dangereux, les Allemands tiennent la gare. René Jassot, un des survivants, se souvient de ce moment-là. Pendant des années, il s'est demandé pourquoi y sont-ils allés. À cette question, René répond simplement « Probablement l'envie d'en découdre enfin avec les Boches, d'en finir avec cette occupation. » Toujours est-il que le convoi poursuit son chemin, il emprunte l'avenue Jean Jaurès jusqu'à pont de la gare SNCF. Là, le convoi ralentit, s'arrête, puis doucement franchit le pont. Un des résistants sort du véhicule de tête, rencontre un passant à qui il demande si la route était libre. On lui répond que oui, la voie est libre. Les véhicules redémarrent, direction les quatre chemins en bas de la route. À peine 200 mètres plus loin, le convoi est pris à partie par des tirs de mitrailleuses, aussi soudains que nombreux. C'est la panique à bord, les rafales atteignent les voitures, les premiers résistants tombent, René Jassot est touché le premier à la tête, à l'oreille et à la bouche. Les rafales se succèdent et la gaz au bois, touchée au niveau du réservoir, prend feu. On s'éjecte des voitures comme l'on peut, toujours sous le feu des projectiles allemands. Il faut dire que ça tirait de toutes parts, car la route est entourée de champs et les Allemands se tiennent embusqués dans les prés, les vignes et même dans les mûriers. C'est le sauve qui peut. Fort heureusement, côté résistant, on avait équipé les voitures de mitrailleuses et la riposte commence, permettant à ceux qui étaient encore en vie de s'extirper des voitures pour se mettre à l'abri. Pendant ce temps, le mentonné Antoine Roca, surnommé Tonton, car il était le plus âgé d'entre eux, fonce et s'empare de la mitrailleuse allemande qui venait d'être neutralisée. Il retourne l'arme et mitraille les Allemands en direction des tirs. Un autre se précipite à couvert au pied du mûrier et avec son fusil tire à chaque mouvement. Ces actes héroïques ont permis aux autres de s'échapper en courant, rampant et passant par-dessus les corps de leurs camarades morts. Les quelques survivants fuient sans savoir qui de leurs camarades a survécu à ce massacre. Ils arrivèrent tant bien que mal à l'orgue, de longues heures après le guet-apens, et furent pris en charge par le petit hôpital de l'orgue. C'est là aussi qu'ils apprirent que 13 d'entre eux, 12 l'orguais et le drassénois Roger Fréani, ne sont jamais revenus de ce massacre. Depuis ce jour, chaque 15 août, les villes de l'Orgue et des Arcs se souviennent et commémorent ces 13 résistants morts en défendant leur pays. L'avenue où s'est déroulé ce drame porte désormais le nom d'avenue des 13 Lorguais et une stèle du même nom y a été érigée. Le dernier survivant de ce massacre, René Jassot, est décédé il y a juste un an. Il a rejoint ses 13 camarades dont les noms suivent. Deheno Maurice, Verger Emmanuel, Paul Georges, Marcel Victor, Fréani Roger, Arouin Élie, Bercia Jean, Passa Jacques, Vial Joseph, Mariani François, Taxil Louis, Marcon Eugène, Denis Gaston. Cette histoire, aussi dramatique soit-elle, est là pour nous rappeler qu'en Provence, la résistance a joué un rôle primordial, crucial, dans la libération de nos communes à partir du 15 août 1944. Continuons à honorer leur mémoire.